Salut, salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE Live avec le défi FGS 8. Vous récupérez un pack joueur Electrum, les amis, Prime, et il est vendable. Désolé pour ma voix, les amis, c'est ce qui explique les quelques jours de repos que j'ai pris. Je ne pouvais pas parler, donc ça ne servait à rien que je fasse quoi que ce soit. Les amis, juste pour vous prévenir, vendredi 22h, exceptionnellement, on fera un live pack opening sur ma chaîne YouTube. On va se retrouver, comme l'année dernière, le pack opening, comme d'habitude, le vendredi à 22h exceptionnellement, parce qu'il y a Brésil-Cameroun. Je sais que je vais pas être le seul à le regarder, donc tant qu'à faire, on fait ça après le match. Donc, défi FGS 8, il fallait 2 clubs minimum, 5 joueurs de même championnat maximum, 1 joueur rare, une note générale à 75, un collectif à 23. Je vous explique le problème. Je suis parti dans le championnat turc, je suis allé à Trabzonspor et j'ai acheté 5 joueurs de ce club-là, histoire d'avoir un maximum de collectifs. Vous voyez, déjà avec ces 5 joueurs-là, on a 15. On a notre joueur rare et il est noté à 80, donc il fait augmenter la note. Après, je suis parti dans le championnat autrichien. J'ai acheté 3 autrichiens, 2 or pour avoir la note et 1 argent, histoire d'être bon. Avec ces 3-là, vous avez le collectif. Demandez, il fallait 23, ben vous avez 23. Donc après, ben vous comblez avec ce que vous avez dans votre club. Vous testez avec 3 joueurs bronze, si ça passe pas, vous remplacez un joueur argent. Enfin, vous remplacez un joueur bronze, pardon, par un joueur argent. Si ça passe toujours pas, vous remplacez votre deuxième joueur bronze par un autre joueur argent. Et si vraiment ça passe pas, vous remplacez, pareil, votre joueur bronze par un joueur argent. Si vraiment il faut changer les 3, honnêtement, vous mettez un joueur or et après vous mettez vos 2 joueurs bronze. Ça fonctionne également. Donc, ce défi-là, honnêtement, les joueurs or coûtent 500. Donc, il y en a 2, 4, 6, ça fait 3000, 3007. Je sais plus où j'ai payé, 3007, 4000, 4003, 4006, 4008. Si vous avez acheté tous vos joueurs, sachant que ces 3-là, vous mettez qui vous voulez, ça passera. Allez, on commence avec Ugurkan, Sakir, Bruno Pérez, Gianno Bickel, Maximilian Wober, David Schneg. Là, vous pareil, vous prenez... En fait, j'ai mis lui, mais vous prenez n'importe quel joueur argent autrichien. Soit en DC, soit en MC, soit en BU. C'est juste histoire d'avoir le collectif. Après, vous blendez, vous mettez vos joueurs à vous dans les trous qui restent. Donc, on a dit, on a fait lui. On passe à Jean-Philippe Gbamin, Maren Hale, Selassie, Nicolas Seywald, Anastasios Bakasetas, Mathias Vera, Maximiliano Gomez, et c'est tout. On soumet l'équipe, on récupère notre pack joueur Electrum Prime. Donc les amis, les joueurs de l'équipe de la semaine ne sont plus dans les packs. Le best of TOTW n'est plus dans les packs. Je l'ai même pas fait ça. Bref, c'est pas grave. Par contre, il reste encore dans les packs les joueurs RTTF, de les cartes violettes, et la première équipe des icônes World Cup. Vendredi sort une autre équipe World Cup. En icône, il y a Eto, je pense qu'il y a Gullit aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Et il y a un autre événement qui s'appelle Story. Les premiers leaks que j'ai eu, il y a du Rashford, il y a du Van Dijk, il y a du Asensio, il y a du Laporte. Et voilà, je me rappelle plus après les autres. Là, j'ai des packs, je sais pas d'où ils sortent ces packs-là, mais bon, on va se les ouvrir. Hop, Guendouzi, gros match cet après-midi. Comme tout le reste de l'équipe de France, à part certains, comme Konaté. Sinon les autres, on comprend pourquoi ils sont remplaçants. Allez, pack joueur Electrum Prime vendable cette fois-ci. Eh ben, on a de la merde. Et ce compte-là, heureusement que j'attends... Bref. On a de la merde. D'ailleurs, les amis, le best of TOTW n'est... Enfin, c'est bizarre, pourquoi je pack lui? Alors que Nuno Mendes est censé être dans l'équipe de la semaine, et l'équipe de la semaine est censée être dispo,
jusqu'à la prochaine équipe de la semaine. Si quelqu'un a cette info, je suis preneur. Allez, on va se faire le pack de prévisualisation. Hop. On a de la merde pour changer un peu. Allez, ça dégage. Et juste, je vais regarder les amis, à combien vous êtes de cartes? Bon, là, c'est mon compte secondaire, donc ça compte pas. J'ai 84 cartes. Sur mon compte principal, j'ai fini. J'en ai 760, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, dites-moi en commentaire combien vous en avez. Voilà, les amis, à très vite. Prenez bien soin de vous. Et à vendredi sur le live. Enfin, non, demain, il y aura les affiches Coupe du Monde, bien entendu. Et vendredi, le live sur YouTube, 22h. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Ça fait longtemps, à la base, je faisais des streams sur Twitch. Mais je me suis dit, pourquoi pas, pour le fun, repartir. On va tester, si vraiment c'est le feu, honnêtement, je resterai sur YouTube. Moi, ça me change rien du tout. Allez, à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao et merci.